Bonjour les gens, c'est Fred, alors 18ème épisode de notre Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors, nous allons faire le dernier épisode, parce que je pense que ce sera le dernier épisode. Nous avions dans le... Bah voilà, on est devant le château numéro 8, le donjon... Ah, par contre, si je fais ça, ça va pas le faire. On va bien s'équiper. Généralement, je prends ça et ça. Donc on va... Ah, ça y est, ça commence bien. Ce qu'on va faire, c'est... Ouais, bah oui, j'ai plus... Je n'ai plus le rayon laser de mon épée qui est au max. Alors, on va passer par là. Ce qu'on va faire, c'est avant d'aller... Parce que j'aurais pu y aller direct. Avant d'aller battre le dernier boss. Donc, il faudra qu'on aille à l'île. À l'œuf. On est déjà sur l'île. On va aller à l'œuf. Ce que je vais faire, c'est que... Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc. En fait, ouais, j'ai même pas utilisé ma potion pour le dernier boss. C'est bien ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper de l'ocarina et je vais faire tout de suite. Ça ira plus vite. Je vais juste aller à un endroit de l'île pour vérifier un truc. Pour récupérer un truc en espérant que c'est bien là. Ah, attendez, je vais me repérer par rapport à la carte. Ouais, si c'est en bas. Alors, pour ce qui concerne... Ouais, je prendrai le téléporteur après. Ah, quoique. Non, j'ai un autre truc à faire après. Alors, attendez. On va aller par là. Que je dise pas de bêtises. Il faut que j'aille... C'est où quoi, ça? C'est ça, il faut que j'aille à la baie de Martha. Donc, on va aller par là. En espérant que ça soit bien par là. C'est toujours pareil, hein. J'ai un peu galéré, j'avoue, avec les deux derniers donjons, parce que c'était vraiment des labyrinthes... En ce qui concerne récupération des clés ou même trouver le bon chemin pour le donjon 7, c'était plus pour le casser les piliers qui... Alors attendez. J'ai plus mon épée. On va la rééquiper. Hop. Ah, je confonds toujours les deux boutons. Hein. C'est terrible ça. Ah, attendez. Oh, tiens. T'es revenu, toi. Bonjour. Naguère, un artiste lubrique, voulait que je pose pour lui. Il voulait aussi une écaille. Chez lui, il y a une loupe. Oui, je sais, je l'ai déjà récupéré. Merci du conseil. Est-ce que c'est dans le bon côté? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Si c'est bien par là. Alors je sais pas en fait, ce que je sais pas. Si c'est... Non mais faut pas, c'est pas dans l'eau. Forcément c'est pas dans l'eau, ce que je vais faire c'est que je vais sortir de l'eau. Je vais prendre les petits escaliers qui sont là. Toi tu dégages, merci, au revoir. J'étais ici. Je sais plus si j'avais été ici. Si, forcément, puisqu'il y avait un coquillage. Et que forcément, parce que j'ai pratiquement fait... Bah, j'ai fait toute la carte, hein, non? Ouais, ma carte est complète, hein. J'ai été partout, partout, partout. Voilà, c'est là. C'est ici. J'ai pas été ici. Enfin, si, j'y ai été, mais j'avais pas le... De quoi y aller, quoi. Donc, maintenant que je peux y aller, on va y aller. Ah zut, ça commence. Hop. Alors,
On va remettre. Ah, quoique. J'aime bien ce terme aussi. Ouais, bon, bref. On pouvait. De toute façon, il faut avoir pratiquement tous les objets. Hein. Si on n'a pas le. Bah, de toute façon, les pâmes, on les. On l'a. On l'a forcément, puisque c'est le. C'est l'objet qui était avant le bâton de feu. Alors, on va reprendre des escaliers. Et on aura le dernier, le troisième et dernier petit diablotin, petite chauve-souris, je sais pas ce que c'est. Voilà, hop, on va prendre ça. Alors normalement, il va nous. C'était pas obligé, hein. Ça a été pratique dans les zones de donjon, mais je crois pas que ça soit utile pour le dernier boss. Pendant ma sieste, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu es prêt? Oui, s'il te plaît. Il augmente la capacité de nos flèches. C'est bien fait pour toi, tu as vu? Tout ce que tu dois porter. Allez, salut. Alors, c'était le troisième et dernier petit diablotin. Faut les trouver, ces trucs. C'est pareil, c'est des trucs, si vous savez pas, vous le savez pas. Merci de ton analyse, Fred. Oui, c'est ça que je voulais regarder. Et j'ai 60 flèches. J'ai 60 bombes, 60 flèches, et dans la logique, il devrait y avoir plus de poudre, non? Combien je peux avoir maximum de poudre? Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pas m'embêter à refaire tout le chemin. Je vais refaire ça. Voilà. Bon, par contre, on va l'enlever parce que sinon on va. Je vais faire comme la dernière fois. J'ai. La dernière fois, j'ai fait. Par contre, oui, si je le mets de l'autre côté, ça sert à rien du tout aussi. La dernière fois, j'étais arrivé au. Au niveau du donjon numéro 8 et comme un. Comme un couillon, j'ai appuyé sur la flûte, il m'a ramené. Là qu'il fallait pas, il a fallu que je refasse le tour. On va aller donc. On va retourner. On va passer par là. On va retourner au village des mouettes. Aïe. Alors pour, il me manque un cœur. Il me manque un cœur, donc il me manque 4 quarts de cœur. Et je n'irai pas les chercher parce que je ne saurais vraiment pas où sont ces cœurs. Donc je vais faire ça avec ben, un cœur en moins. Et franchement, je crois que quand j'ai fait le jeu, la première fois que j'ai fait le jeu, je l'avais fait sur, ben, sur la Game Boy. Je crois qu'il me manquait deux cœurs. Donc voilà. J'ai amélioré un petit peu mon. Faut que j'aille à la bibliothèque. Elle est où la bibliothèque? Elle est là. Hein. C'était celle-là avec les gosses. Hein. Je vais aller à la bibliothèque. Alors, attendez. Mystère et secret de Coqueline, tu veux. Oui. Dans l'œuf, on tourne, tourne. Ah, bah, c'est ça, je voulais voir. Justement. Je suis tombé pile pas dans le bon. Je voulais faire les autres trucs pour voir. Alors, attendez. Par contre, je vais le noter. Parce que retenir ça, attendez, c'est gauche, haut, droite, haut. Ouais, on va le noter. Attendez, j'ai un papier et un stylo à proximité. J'espère que mon stylo il fonctionne. Alors on va faire gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, haut. Ouais, en fait, si, c'est pas du tout difficile. C'est très énigmatique. En fait, c'est gauche, haut, droite, haut. Enfin, faut penser qu'entre le droite et le haut, entre le droite et le gauche, il y a un haut, quoi. Ouais, c'est répétitif, ça peut passer encore. Alors, je voulais voir les autres aussi. Atlas de Coquelin. Choisis un lieu grâce au curseur et appuie sur A pour afficher son nom. Veux-tu consulter? Oui. Et en fait, on n'y pense jamais, mais je crois que même la première fois que j'avais joué à ce jeu, j'avais pas. Consulter la bibliothèque alors que ça te donne super des très bons conseils quoi. Téléportation, tu veux le lire? Oui. Sur Coqueline, il y a des trous warp. Téléporte-toi en sautant dedans. Replonge dans le trou d'où tu sors pour être téléporté. En succession, tu ne peux pas te téléporter vers un trou qui n'est pas encore apparu à l'écran. Bah oui. C'est pour ça qu'il fallait que le dernier trou, enfin le dernier téléporteur, fallait que je l'active sinon. Les bombes, tu peux. Je vais le lire, oui. Alors, par contre,
Est-ce que le bouquin, enfin le livre que j'ai lu juste avant, le téléporteur, il apparaît pas tout de suite? Est-ce que je pouvais le lire avant d'avoir le téléporteur? Ah, c'est un mystère. Oui, s'il te plaît, pour reprendre une bombe au sol, appuyez tout de suite sur le bouton, la contrôleur. Oui, je sais. Puis jette-la en appuyant encore sur le même bouton. Je connais la technique. Oui, je connaissais cette astuce. C'est ça, exactement ça. Allez, choisir le bon objet. Tu veux lire? Oui. Choisis l'objet désiré dans le sous-écran en appuyant sur A ou B. Certains objets remplacent une épée lors d'un combat. Essaye-les tous pour avoir le plus adéquat. Conseil. Et carte, tu veux le lire? Oui. Appuie sur Select pour afficher la carte de l'île. Les parties sombres sont les endroits que tu n'as pas visités, c'est ça? Encore visités. Bouge le curseur et appuie sur A pour obtenir le nom du lieu et le message du hibou. Ainsi, tu n'auras pas à tout noter. Allez, on a encore deux livres. Oui. Cette technique spéciale se transmet de génération en génération. Maintiens enfoncé le bouton correspondant à l'épée pour augmenter ta force. Quand c'est suffisant, relâche-le. Crois-tu que tu peux le faire? Oui, je l'ai déjà fait plein de fois. La bonne utilisation d'un bouclier. Je crois que je l'avais déjà lu celui-là. Je l'avais déjà lu celui-là. Y a pas des autres livres? Ok, non, il n'y a pas d'autres livres. Donc, important d'avoir la loupe. Et la loupe, on l'avait en faisant le troc. En fait, chaque objet est obligatoire. Obligatoire parce que bah, les autres objets, on les récupère dans les donjons. Donc forcément, on en aura besoin pour débloquer certaines pièces, pour avoir des clés, etc., etc. Donc c'était pour accéder à des... L'arc, je disais qu'on n'était pas obligé. Bah si, finalement, on est obligé parce que c'était la seule façon de battre des soldats pour le... Je sais plus quel donjon d'ailleurs. Qu'est-ce que je cherche? Oui, j'ai déjà. Donc là, on va se diriger, c'est parti, vers l'œuf. Alors l'œuf, il est pas loin. Il est pas loin du tout. Ouais, si j'avais déjà été dans ce... Il est pas loin du tout, mais j'aurais dû prendre le téléporteur. Aurait été plus rapide. Ah, attendez. Ouais, on va passer par là. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, c'est de l'autre côté. Donc c'est parti, dernier boss du jeu. Alors par contre, je me rappelle plus du tout si les techniques de combat pour le battre. Je pense que l'épée suffira. Mais... On est à l'œuf. Hop, mon tamaronk, tamaronche. Allez, on y go. C'est un moment que quand j'avais joué, c'était. Je me suis dit, ça y est, enfin, on y est arrivé. On est arrivé à l'œuf. Donc, il faut que j'utilise l'air de marine. Houhou, le poisson rêve t'attend. Entre dans l'œuf. Houhou. Allez, c'est parti. Alors, on pouvait, même si on avait qu'un instrument, deux instruments, on pouvait faire aller à l'œuf, faire faire la musique et tout ça. Mais bon, après, bon, rien ne se passe parce qu'il faut avoir vraiment les 8.
œuf sacré. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais utiliser. Je vais utiliser donc le chemin qu'on m'a conseillé de faire. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les loupiottes là? Alors, normalement, c'est gauche, hein, donc ce serait par là. Non, j'ai pas l'impression. Non, on peut pas utiliser pour allumer. Alors, ce serait gauche. Ah non, attendez. Ouais, c'est ça. Pardon. Faut d'abord monter. Et là, on pourra allumer. Ok. Ah. Ah, c'est fait exprès, je crois. Oh, je me rappelle plus du tout de ce jeu. Allez, là, je pense que c'est maintenant qu'il faut, on peut faire gauche. Haut. Droite. Haut. Gauche. Haut. Droite. Et haut. Voilà. Nickel. Alors évidemment, si vous aviez pas la loupe, n'espérez pas trouver le chemin, quoi. Ou alors, faut. Je sais pas. Je sais pas comment vous faites, c'est. Ce serait magique. Allez, c'est parti. Nous provenons des cauchemars pour dominer ce monde. Nous avons provoqué un sommeil sans fin chez le poisson rêve. Tant qu'il dort, l'île existera. Nous sommes les maîtres ici. Et toi, Vourton, tu arrives pour contrecarrer nos plans? Ha ha, tu ne nous battras jamais. Tu vas périr. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs phases. Ça, je m'en souviens qu'il y a plusieurs phases. Par contre, je sais pas du tout comment on fait pour le battre, hein, finalement. D'accord. Ouais, il va se séparer, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Soit il faut attendre qu'il soit dans sa forme. Ah, attendez, je me suis plus du tout. Ah, peut-être avec le bâton de feu. Il faut peut-être un truc à distance. Non plus. Attends, il y a quoi qu'on aura à distance? Il y a l'arc. Non plus. Merde. Attendez, attendez, je vais tout essayer. Le grappin. Voilà, il faut attendre vraiment. Non plus. On va faire les bottes. Non plus. La bombe peut-être? Non plus. Alors, peut-être. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai tout essayé. Par contre, j'aurais peut-être dû faire le plein de poudre. Ça, c'est bon. Aïe. Voilà. Combien de fois il faut le faire? Voilà. Alors, je crois que c'est la deuxième phase. Pareil, je sais pas comment faut faire. Alors, attendez. Justement, est-ce que les trucs à distance, ce sera pas mieux? Oh, attendez, je vais tester d'abord avec mon épée. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Voilà. Je me rappelle de ça. C'est un des classiques dans les Zelda de faire rebondir sa boule de feu. Il y a dans. Ah, attendez. Le 8-bit world de la 3DS, il faut faire ça. Ah zut, il m'a eu, il m'a grugé. Là, il faudra partir. Quand c'est pas la même boule. Voilà. Ouh. Allez, combien de phases en fait, hein, il y en a? Oh, ouais, j'ai la potion. Ouf. Ok, ça il faut taper. Faut taper sur la queue. Ça c'est classique aussi. Aïe. Hop, nickel. Là c'est la quatrième. Oh merde, misère. Je sais plus. Il faut éviter son. Je crois qu'il. Oh là 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 là, je sens mal.
Je sens très mal. Par contre là, en effet. Aïe. Merde. Pardon les gens, je m'excuse du gros mot, mais... Ah mais je sais pas. La bombe. Non plus. Je sais pas, je sais. Dans la logique. Ah zut. Ça m'étonnerait que ça soit. Attention à mes cœurs quand même. Ah j'avais pas l'épée. Le grappin. Je vais essayer d'abord ça. Ouais mais. Il traverse le. Là, je suis en train de perdre tous mes trucs sur le dernier. Je vais essayer parce que j'avais la bombe. Alors attendez, on va refaire. Attention, on va éviter ces conneries de chauve-souris. Ah mais vise-bi le mec. Ah bah voilà, j'avais pas l'épée, j'avais les bombes. Vous êtes sérieux les gens? Comment perdre des pleins de cœur pour rien? Ah mais vise-le par contre. Ah je suis en train de perdre tous mes cœurs là pour rien. Ah ça c'est bon. C'est fini? Non, bah non, évidemment c'est pas fini. Ah par contre attention. Ah lui il va m'emmerder. Bref, faut vraiment voir tous les trucs parce qu'on utilise vraiment toutes les armes quoi. Oh! Attendez, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. L'épée, je l'ai fait. J'ai réussi avec l'arc. Ah, il me reste 3 coeurs, 2 coeurs et demi. Ah, ok. Oh putain! Pardon, pardon, pardon pour ma. Je me rappelle de celui-là. Je me rappelle. Mais oui, je me rappelle. Ah, c'est pas, c'est bon, j'ai une potion donc ça va. Ce qui est génial, c'est que on n'est pas obligé de. Par contre, ce serait pas mal que tu. Faut attendre. Ah! Faut attendre que. Voilà. Ah merde. Heureusement que j'ai fait le plein de. En fait, j'ai bien fait. Ah. J'ai bien fait, mais. J'en ai déjà utilisé 12. Ah oui, j'en ai utilisé aussi. Voilà. On va attendre. 2. Aïe. Je me rappelle de ce. De celui-là. Mais je crois que c'est le dernier, celui-là, non? Oh oui. Ces tentacules. Espèce de tentacule qui. Qui change de. De sens quoi. Bon alors, tu ouvres ton oeil? Oui, j'ai bien fait de récupérer les flèches et. Ah zut! Et. Je sais plus. Allez, dépêche-toi là, j'ai pas que ça à faire. Bon, j'espère. Oh. Ah ouais, il change encore de. Ah zut! Et vise-le de haut. Ah mais t'es sérieux Link? Je suis en train de perdre des flèches pour rien. Là j'en aurais plus du tout des flèches. Ah hein. Oh, ça y est. J'ai fini. Cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. Il y a le chat qui est en train de me regarder bizarre. Mais pourquoi tu parles comme ça Link? Tu as battu Maleficio. Va et monte les escaliers. Mon chat, notre chat s'appelle Zelda. Donc, je crois que je l'avais déjà dit une fois. Allez. Ouh, petit. Pardon. Maître Link, tu as anéanti les monstres.
Tu as fait preuve de force, de sagesse et de courage. Étant un des esprits du poisson rêve, je protégeais son monde, onirique. Hélas, un jour, le cauchemar envahit son rêve et menaça la paix de l'île. Mais toi, Link, tu devins notre espoir. J'ai toujours cru en toi. Merci, Link. Ma tâche est accomplie et je dois réintégrer le poisson rêve. Adieu. Je suis le poisson rêve, long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparut, puis une île l'entoura. Des gens, des animaux, un monde était né. Mais le rêve a toujours une fin, c'est le destin. Quand je m'éveillerai, Coquelinte disparaîtra. Or, le souvenir de cette île doit rester dans nos cœurs, en tant que réalité. En fait, on dit que c'est Link qui rêve. Et là, ils disent que c'est le poisson rêve qui rêve. Donc, en fait, il y a deux rêves en un, je sais pas. Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Ce souvenir doit rester réel dans un monde de rêves. Viens, Link. Éveillons-nous ensemble. Voilà, ils dorment ensemble. Joue la chanson de l'éveil. La scène qui était juste avant avec Link qui regardait le poisson rêve, j'avais fait une peinture de cette scène. D'ailleurs, je mettrai sûrement un lien pour vous montrer cette vidéo.
Et voilà les enfants, on a fini avec une sublime fin. Une sublime fin. Alors ce jeu, je l'ai joué. Par contre, je crois qu'il faut redémarrer pour pour retourner à l'écran titre. Donc je vais vous laisser sur cet écran de fin. Donc c'est mon deuxième Zelda, c'est mon. Franchement, c'est un des Zelda que je préfère. Le 2D, bien sûr. Il y a bien sûr A Link to the Past que j'adore. D'ailleurs, je le ferai aussi en let's play, vous inquiétez pas. Je ferai le Zelda Link's Awakening version Switch en let's play aussi. Et je vais attendre un petit peu le temps que ma mémoire s'efface, que je me réveille de ce. Que je me réveille aussi. Et puis, bah écoutez, j'espère que cet épisode, que ce let's play en intégralité vous aura plu. Malgré mes petites erreurs, mes petits. Puis mes petites colères. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne et surtout mettez un commentaire pour me dire. Pas forcément pour me dire comment je joue, ça je sais que je joue à la con, mais pour me dire si vous avez joué à ce jeu, si vous avez aimé ce jeu, si vous avez joué à quelle version de ce jeu. Parlez-moi de ce jeu surtout, plutôt que de ma façon de jouer. Je sais que je joue à la con, bon, des fois je joue à la con, mais surtout le jeu, parlez-moi du jeu. Allez, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien les gens. Ciao!